Aujourd'hui, les humoristes, les imitateurs, les chroniqueurs et autres bons clients occupent en permanence les studios de radio et les plateaux de télévision. Rien n'échappe à leurs commentaires, à leurs opinions, à leurs bons mots. Mais au fond, que remettent-ils en question ? Sur les plateaux, la vanne est aujourd'hui devenue le mode de communication obligatoire. Il faut rire de tout et souvent de n'importe quoi. De là à parler d'intégrisme du rire, il n'y a parfois qu'un pas. Internet, les femmes, l'homosexualité, les cités ou le handicap. En 50 ans, l'humour a changé le regard des Français et fait bouger les mentalités. Malgré l'intolérance et la crise, le rire aura toujours son mot à dire.